On the evening of April 12th, Shiring Performing Arts appeared for its second performance in the Olympic capital Lausanne, Switzerland. The venue was full once again, and among the theatergoers were some Swiss politicians. Honnêtement, assez impressionné. C'est la première fois que je vois un spectacle de danse classique chinoise. Impressionné par la qualité, surtout par les costumes. Très impressionnant, la chorégraphie. On voit que c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de spectacle. Ça permet aussi de donner l'impression d'une culture qu'on connaît pas vraiment en Suisse, en fait, qu'on connaît que par médias interposés. Et puis là, de voir vraiment des gens qui partagent leur culture ancestrale, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et assez émouvant. J'allais dire, comme d'habitude, c'est la deuxième fois qu'on me fait l'honneur de m'inviter. C'était magnifique et on a beaucoup de plaisir à regarder et à écouter. J'ai moi aussi été impressionné par la qualité du spectacle, la qualité artistique, l'effet sportif, artistique, les couleurs qui sont magnifiques. Mais là derrière, il y a aussi un grand message. J'ai adoré, je trouvais absolument exceptionnel du point de vue artistique, mais aussi du point de vue de message politique. J'étais particulièrement touchée par la scène de la Chine moderne et les valeurs qui sont montrées dans ce spectacle sont des valeurs universelles. Through dance, music and vocal performances, Shiring presents on stage a glimpse of traditional Chinese culture. This tradition and its values kept one of the oldest civilizations on Earth thriving and prospering for thousands of years. C'est un message de respect et de paix. Et c'est ça qu'on doit retirer d'un tel spectacle, qu'on devrait diffuser le plus possible sur cette terre. Ce que j'ai, c'est qu'on a tous un peu des religions différentes, mais finalement, on se retrouve sur les valeurs fondamentales de la vie, de l'existence, de la bonté, de l'honnêteté, de la loyauté. Et c'est ça le message. Finalement, qu'on soit européen ou chinois, les valeurs de base sont les mêmes. Et c'est ça qui est très, très important. Ce sont des valeurs qui sont fondamentales par rapport à la vie sur Terre et aux êtres humains, c'est-à-dire le respect et la liberté d'expression. Et je pense que à travers ce spectacle, la compagnie essaie depuis de nombreuses années déjà de faire passer ce message de plus en plus, de façon à faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe, en l'occurrence en Chine. Shiring consists of 8 companies that tour the globe every year, but there's one place they are not allowed to perform, China, the birthplace of the same culture they are trying to revive. Since the communist regime seized power in the country, it has been constantly trying to destroy the old traditions. That persecution continues to this day. On connaît malheureusement ce qui se passe en Chine sous cet horrible régime et qu'effectivement c'est à travers un spectacle, à travers des musiques, de dénoncer ce qui se passe en Chine en espérant que le plus vite possible ce régime tombe et qu'on revienne à la liberté et au respect des êtres humains. Chine actuelle qui ne tolère pas certains comportements, qui ne permet même pas un tel spectacle dans son propre pays, c'est inquiétant pour nous les démocrates. Et dans ce sens-là, j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui osent présenter un tel spectacle de qualité. Ça nous remet un peu les pieds sur terre. Parce que dans la vie courante, on a tendance à oublier un petit peu tous ces préceptes qui nous ont été donnés dans ce spectacle et qui sont très bien d'ailleurs mis en avant tout au long de l'année et de la vie, des années et de la vie par le Falun Dafa. Un spectacle émouvant, authentique et qui vaut la peine d'être vu. NTD News, Lausanne, Switzerland.